Les amis. Oula, c'est un peu sombre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit truc qui est très différent aujourd'hui. Là, tout de suite, maintenant, il est 12h58 chez moi. Et dans 2 minutes, je serai live sur ma chaîne YouTube. J'ai le cœur qui va à fond, je vous jure. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un live. C'est pas forcément le style de choses dans lequel je me sens le plus confortable. Néanmoins, je trouve que c'est fun. C'est une interaction avec vous que je peux avoir directement en live et qui, du coup, me plaît énormément. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc assez spécial. Donc là, je suis en train de filmer avec ma caméra. J'ai mon ordinateur portable qui est posé juste là sur ma tablette. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme à chaque début de meet-up, les 5 premières minutes quand j'arrive à l'endroit où il y a le meet-up, j'ai le cœur qui bat, mais vraiment à fond. Je vois vos commentaires en plus, j'aime de trop. J'aime de trop. Vous êtes trop mignonne. Vous êtes trop mignonne. Vous êtes trop mignonne. Vous êtes en train de discuter ensemble et tout. J'aime bien. Moi, je viens de Normandie. Moi, je viens de Paris. Oh, faudrait que tu viennes visiter la Normandie et tout et tout. Mais j'aime de trop. Vous êtes trop mignonne. Qui attend ce live depuis qu'elle l'a annoncé dans sa story Insta. Oh, trop mignonne. Comment je fais pour aller go live when streaming will be on recruit? Mais je m'en fiche. Go offline, offline. I wanna go online. Go live. Je fais comment pour être en live? Non, c'est pas possible. Ok, est-ce que ça fonctionne? On y est! It's working! Yay! Yay! On applaudit tous! Un énorme merci à Elodie qui est l'une de mes abonnées chéries que j'aime tellement et qui vient de me dépatouiller tout ça via Twitter parce que c'était une... catastrophe. Au moment où je veux lancer le live, il était moins une et je ne trouvais pas à faire fonctionner le truc. Donc voilà, 24 minutes plus tard, on y est. Je vais fermer la porte. Vous allez voir un petit peu les coulisses d'une vidéo et comment ça se passe et comment je filme et tout ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de nettoyer mon Beauty Blender. Je me déteste, je le fais tout le temps, je le fais vraiment tout le temps. J'ai envie de faire pipi, les gars. Mais c'est trop tard, je vous ai déjà fait attendre trop longtemps, du coup c'est trop tard, j'irai pas aux toilettes. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve, on fait une vidéo qui est un petit peu spéciale et particulière parce que en fait l'idée m'est venue, mon mari et moi tous les soirs, on regarde des petites vidéos un petit peu, vous savez, informatives, etc. Et on a regardé une vidéo sur les trucs des années 90 et là m'est revenue l'histoire de la cocotte, la bonne petite cocotte en papier. Qui se souvient de ça? Qui est de la génération des cocottes en papier où on les faisait et qu'on s'amusait avec ses copines et ses copains à faire des petits trucs comme ça? Donc si vous ne connaissez pas la bonne petite cocotte en papier, c'est pas compliqué à faire. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des petits ronds de couleur. J'ai décidé de faire un petit challenge avec une cocotte en papier et c'est vous qui allez m'aider en fait à décider ce que l'on va faire et comment est-ce que je vais me maquiller aujourd'hui, ou du moins dans quel ordre est-ce que je vais me maquiller, puisque sous ces ronds se dissimule un produit à chaque fois, que ce soit fond de teint, bronzer, blush, highlighter, correcteur. On va commencer avec le challenge, on va voir un petit peu comment ça va fonctionner, l'histoire de cette petite cocotte. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Est-ce que je peux vous demander de me donner un chiffre entre 1 à 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nous avons la possibilité entre bleu, rose, doré et argenté. Doré, ok, on est parti sur un petit doré. Sous le petit doré se dissimule l'anticerne. Donc c'est la première chose. On va commencer avec l'anticerne. Voilà, vous avez compris que mon maquillage pourrait très bien se passer, puisque là on commence avec de l'anticerne. Ou ça pourrait très très mal se passer, dans le sens que je pourrais être en train d'appliquer mon anticerne, mon bronzer ensuite et mon fond de teint après. Je vais vous demander un chiffre, toujours entre 1 à 20. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, on retombe sur la même chose. Donc du coup, on avait dit quoi qu'on peut pas faire? Doré. Donc pas le doré, vous avez le choix entre l'argenté, le rose ou le bleu. D'où vient ton t-shirt? Mon t-shirt, c'est argenté. Je viens de voir argenté. Mais mon t-shirt, en fait, c'est un t-shirt que Sana m'a offert après le concert de Beyoncé et Jay-Z. Donc, on m'a dit l'argenté. L'argenté, c'est...
le make-up des yeux, ce qui est une très bonne chose puisque du coup ça va nous donner le temps de papoter. Pour le make-up des yeux, j'ai décidé d'utiliser cette petite palette-ci. Et la palette, en fait, la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est parce qu'elle est ultra colorée. J'ai un petit peu envie de partir sur du jaune, du rose, du rouge, enfin vraiment en mode flamant rose. Ça vous dit ? Pourquoi tu te maquilles le soir ? Ben c'est pas le soir en fait chez moi, donc... Donc voilà, puis de toute manière pourquoi pas. Vous savez que c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller, c'est en me maquillant le soir en fait. Bah vous savez, jouer en fait avec les couleurs et expérimenter, apprendre des nouvelles techniques. Et c'était toujours le soir en fait que je faisais ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller, c'était le soir. Voilà, voilà, voilà. Du jaune, oui on va mettre du jaune, tu parles anglais depuis petite. Oui, sinon, comment s'est passé vos vacances ? Pour nous, ça s'est pas encore passé, du coup, puisque on part en fait, on va faire nos premières vacances avec mon mari et j'ai tellement hâte. On va faire nos premières vacances depuis qu'on est ensemble au mois d'octobre. Mi-octobre, je viens de m'en foutre sur le visage, génial. Donc mi-octobre, on part au Mexique. Ma maman vient chez moi pour garder ma fille. Et avec mon mari, on se barre tous les deux au Mexique. On n'a jamais pu partir en vacances ensemble avant que ma fille naisse. Du coup, mon mari m'a dit, je veux bien... Enfin, c'est pas qu'il lui dit, je veux pas ou je veux bien partir en vacances. Il m'a juste dit, on part en vacances, mais on part seul. Du coup, on part seul, voilà. Ensuite, je vais prendre Island, juste ici. Ah ! Island, qui est cette sorte de rose gold, en fait. Avec un tout petit pinceau plat et je vais venir le mettre juste à côté de mon jaune, un petit peu en transition. Il me semble pas, c'est pas le top en fait, je vais le faire au doigt parce que... Ouais, là c'est mieux. Avec le pinceau, ouais, c'est... Le doigt ça change tout. Hein. On m'a demandé aussi quand est-ce que je venais en France. Je reviens en France au mois de septembre en fait. Je reviens en France en mois de septembre et... est-ce que j'ai le droit de vous le dire ? Est-ce que j'ai le droit de vous le dire ? Bon, je vais vous le dire, tant pis. Je reviens donc en France au mois de septembre, pas que pour ça, mais il y aura un meet-up, en fait, ça vient de se faire là. Rien n'est annoncé, donc vous êtes les premières à le savoir. Voilà, ça va être sur Paris, parce que le meet-up m'a été proposé de le faire à Paris, donc voilà. Cendrier en live, on a l'impression d'être avec toi. Bah écoute, vous avez peut-être moins chaud que moi parce que là avec tous les éclairages que j'ai très chaud. Vous avez sélectionné le violet c'est le blush. Et du coup on va appliquer notre blush avant notre fond de teint. C'est n'importe quoi. Mais écoutez, voilà. Hein. Bon on va en mettre une sacrée quantité hein, si on a envie que ça se voit à travers le fond de teint. Dites-moi, rose, orange, vert. Rose, orange, vert. Doré, mais il n'y a pas de doré. Orange, orange. C'est l'highlighter. N'importe quoi. Ok, bon c'est l'highlighter. Et pour l'highlighter, j'ai décidé de prendre le Marie Luminizer. Qui se souvient de ce blush quand il était juste trop à la mode et que tout le monde en parlait. C'est vieux, ça a genre 5 ans et c'était l'highlighter à avoir. Je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps et il est tellement bien. J'avais oublié à quel point ce qu'il était bien. Il est très bien, mais honnêtement sans fond de teint c'est un peu... C'est un peu étrange. Vert ou l'option rose ? Option vert, option rose. S'il y a des personnes qui débarquent sur ma chaîne là tout de suite maintenant, je leur souhaite pas, ils vont se demander mais d'où vient cette fille ? Elle est trop bizarre, pourquoi elle fait ça ? Je me désabonne. Mais c'est pas grave. Tu es belle sans fond de teint. Merci, t'es trop adorable. C'est surtout parce que tu me vois pas en vrai en fait. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout la même chose. Ok, vert. Je viens de voir vert, 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 vert. Plein de vert. Dites-moi que vous avez choisi un bon truc. Si c'est le fond de teint en dessous, je me souviens plus. Hein. Je les ai écrits, mais je me souviens plus. C'est le fond de teint. Ok. À voir si du coup le double wear de Estée Lauder est très couvrant ou pas assez. J'ai un petit peu envie de roter. Je suis désolée. Eh, c'est pas dégueu. Hein. Ça recouvre hyper bien le blush. Hein. En vrai, c'est ok. En vrai, c'est ok. C'est un peu dégueu, mais c'est ok. Et c'est reparti. J'attends vos petits chiffres. 13, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Le 13, on a le choix entre donc le rose, un peu rose gold, hein, et le bleu, puisqu'on a déjà fait l'argenté et le doré. J'ai vu rose, c'est ça que l'on va faire, et sous le rose, on a le mascara. C'était peut-être temps, parce que honnêtement, mon maquillage des yeux sans mascara, c'était un petit peu bizarre. Là, je peux plus parler, c'est fini. C'est fini, le monde s'arrête quand on met du mascara, j'ai juste envie de garder mes yeux en fait.
je vois un numéro 10. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, du coup, on a fait le vert, on a fait le violet, le rose. Est-ce qu'on l'a fait? Je me souviens plus. On a fait l'orange. On a fait le violet? Aidez-moi, on a fait quoi? On n'a pas fait le rose. On n'a pas fait le rose, n'est-ce pas? Le rose, c'est le bronzer. Bon petit bronzer qui va bien accrocher sur mon teint qui n'est pas poudré, c'est génial, ça va faire plaisir. C'est le... j'en ai eu dans la bouche. C'est le chocolate matte de Too Faced. Et bon, j'en ai eu dans la bouche, ça fait toujours plaisir en fait. Ma cocotte est terminée pour le moment et ma fille l'a vue et elle est très 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 intéressée à jouer avec. Je lui ai dit qu'elle pourrait après la sieste. Donc on va poudrer notre teint du coup. Et c'est avec la Banana Bread de Huda Beauty que je vais poudrer mon teint. Cette poudre est vraiment trop bien, mais alors par contre, qu'est-ce qu'elle est parfumée, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que tu penses de la marque Glossier? Bah honnêtement, je l'ai jamais testée en fait. Je trouve que c'est très intéressant, ça m'a l'air vraiment sympathique, j'aime bien l'effet no make-up, donc clairement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai jamais testé, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Sinon, on est pour le maquillage des lèvres et ça va ressembler à rien puisque j'avais mis en fait 3 couleurs de rouge à lèvres juste là, juste à côté. Je vais vous laisser décider. Dites-moi si on fait quelque chose d'un petit peu plus nude, du bleu ou du violet. Bleu, bleu, violet, Nutella ou confiture. Nutella ! Nutella ! Mais qui pose cette question ? Je vois plein de bleu. Je vois du nude mais je vois beaucoup plus de bleu. Bon bah c'est le bleu. Bon, sympa, pas très... C'est quelque chose qui se fait un peu en transparence, c'est sympa, mais voilà. C'est pas aussi pire que je pensais que ça aurait pu l'être, honnêtement. On va pas dire que c'est le top. J'ai un peu une bouche d'avatar et j'ai des yeux... J'aime bien le make-up de mes yeux, par contre. Et bah les amis, on se retrouve après le live et c'était trop bien, c'était trop bien. C'est pas du tout quelque chose que je fais régulièrement. J'ai toujours l'angoisse en fait de pas être à la hauteur lorsque je fais un live, de pas pouvoir avoir la rapidité de lire vos commentaires, etc. Mais c'était vraiment fun, je me suis bien amusée, moi en tout cas. Et c'était sympa en fait de faire ce challenge vraiment en live et d'avoir vraiment l'impression de vous laisser participer pour de vrai. Et voilà, d'avoir un petit peu de temps ensemble entre copines, c'était vraiment sympathique. Moi du coup, je vais vous laisser avec tout ça parce que honnêtement, ce rouge à lèvres, je l'aime pas en fait. Il s'effrite, il est sec sur mes lèvres, la couleur est très jolie mais il est un peu désagréable sur les lèvres. Donc je vais aller le retirer. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo parce que je suis en mode papillon dans l'estomac et toute surexcitée et... un petit peu anxieuse en fait. J'espère vraiment que ce petit live vous a plu, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si c'est le style de choses que vous aimeriez bien revoir sur la chaîne ou si pas du tout. Dites-moi si c'était une bonne idée, dites-moi si l'idée était complètement pourrie, mais dites-moi le gentiment parce que j'ai un petit cœur qui est sensible de temps en temps, il est faible. Donc voilà, je vais vous faire d'énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera elle beaucoup plus normale on va dire. Je vous ai promis de vous faire une vidéo sur les pinceaux que j'utilise, ceux que j'utilise pas, ceux que je recommande, ceux que je ne recommande pas, les meilleurs et les pires. Et du coup, ça, ce sera pour vendredi à 17h. Et voilà, moi, je vais vous faire d'énormes bisous en attendant ma prochaine vidéo, comme d'habitude, pour les grands soins de vous-même. Et voilà, à très bientôt. Bye, je vous adore. Bye.